Bon matin. Encore malade. Vraiment, il a fait beaucoup de température encore une fois cette nuit. Il s'est réveillé plusieurs fois. Là, il a la gorge vraiment, vraiment rouge. Fait que je vais aller le faire tester plus tard là, dans les pharmacies. Dans les pharmacies, test pour le streptocoque. Il vient de finir son antibiotique, tu sais, genre, c'est tout le temps ça que ça fait. Hein. Ça, on fait ça souvent. Il vient de finir l'antibiotique. Ah ouais, on sort start un autre virus. Je sais pas. On va aller voir ça tantôt. Hein. Maman va se... Je suis dans un grand remaniement. Ça me tente plus d'avoir mes lumières. Mais alors, les gars, là, ça fait comme une couple de fois qu'on les allume plus. Je sais pas les voir. Ça va me prendre. Ça me prend de l'habitude. J'ai changé ma table de bord, dans le fond. Je l'ai mis comme elle était comme ça. Là, je l'ai mis comme ça. Ça, c'est moi, ça. Ça arrive souvent que je fais ça. Mm-hmm. J'aime ça. Fait que ça me fait. Ça me donne l'impression que c'est ça. Je ramasse en même temps. Je lave mon plancher. J'ai plus de femme de ménage. Hein. Fait qu'il faut qu'on en prenne une. Que je fasse une recherche pour ça. Elle m'avait été référée par quelqu'un, puis tu sais, je l'aimais vraiment beaucoup, là, fait que, puis je l'aimais en tant que personne aussi, tu sais, c'est ça, parce que, tu sais, je suis tout le temps là, moi, quand elle venait, fait que, tu sais, c'est comme, faut que je l'aime, faut que je la trouve smart, puis tu sais, faut que je me sente bien quand elle est là, tu sais, puis c'était le cas, fait que c'est ça qui arrive, c'est pas donné à tous. C'est pas donné à tous, tout ça. Donc, j'aimerais bien ça qu'elle décide de recommencer un enfer, mais elle s'est trouvé un autre travail. Puis, c'est bien correct, là. Mais, hein, quand on perd... Oh, mes plantes font dur. Mes plantes font dur, pas à peu près. C'est ça. Jonathan aussi, il n'a pas dormi la nuit, puis il dit qu'il s'endort tellement à job qu'il revient. Il va s'en revenir à même. Il revient se recoucher, puis capable. Il a travaillé une partie de nuit aussi, hein, ça l'a débalancé. Il est sûr et certain. Il faut travailler une nuit, là, quand tu n'es plus habitué d'en faire, c'est vraiment difficile. Fait que, c'est ça. Il va revenir tantôt, il va aller se coucher. Tu n'auras pas d'affaire à le déranger parce que c'est ça l'affaire. On l'a dérangé toute la nuit à cause que tu faisais pas de dos. Ouais. Puis tu étais malade. J'avais mal à la tête. Ben, je sais, c'est pas de ta faute, mon minou. J'avais pas mal à la tête. C'est ça, je te dis, c'est pas de ta faute. Fait que c'est ça que je vais faire ce matin. Tranquillement, pas vite, me ramasser. Faire en sorte que ma maison est pas trop... Parce que t'es tellement propre quand je suis revenue de Dallas. Des fois, je me dis, oh, faudrait que je dise à ma mère, je te donne 100$ par semaine, viens faire ma mère. Ma mère est bonne, c'est que je te dis. Tu sais, c'est pas drôle de se dire, hey, ta mère, elle fait encore ton ménage. Genre, je suis comme, ouais, elle fait encore mon ménage. Mais Chris, elle l'a. Tu sais, il y en a qui sont faites pour ça, moi, là. Ça me prend une éternité. C'est long. Ma mère, elle trône ça, là. C'est comme, elle arrive à faire des choses que moi, ça me prend une semaine. À faire, genre, elle a fait ça dans une journée. En tout cas, elle est vraiment bonne, ma main. Ça doit être l'expérience, mais je suis quand même rendue à 40 ans, puis je me trouve pas si bonne que ça. Fait que. Voilà, là, j'ai le goût d'un petit café. Après ça, je vais m'attaquer à ma portion salon. Parce que c'est ça. Pourquoi t'aimes ça, boire du café? Parce que j'aime ça. J'aime le café chaud. C'est bon. Puis hier, je me suis acheté de la gare à gare. Je vais faire une petite expérience avec un nouveau produit. J'ai fait un excellent dîner. Pour être tellement bon. Soupe aux tomates avec la nouvelle trempette tomate mûrie au soleil. En fait, c'est pas une nouvelle trempette, c'est un retour de trempette. Et c'est vraiment super bon. J'ai fait avec ça, je me suis fait des grits de cheese avec mon pain carbonate. Donc voilà. Bon appétit! J'ai pas la position la plus chic.
Ah, Oscar est allé se faire tester à la pharmacie avec Ophélie et il a un streptocoque. Ah, donc retour des antibiotiques. Sérieux, ça fait donc bien bien ça, ce petit test-là avec pharmacie. Il y a des critères, par contre, ça coûte 25$. Ça vaut vraiment pas la peine de faire un détour à l'urgence ou de se casser la tête à prendre rendez-vous chez le médecin, là, après. Personnellement, en tout cas, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine de payer 25$, d'être tranquille. Fait que, il est allé là, Ophélie est allée avec lui. C'est encore la température, 38,9, rectal. En tout cas, après-midi, j'ai fait mes petits biscuits au chocolat comme je voulais faire. Lâche les biscuits, Marie. Ça t'aidera pas dans ta shape de Bahamas. Puis, c'est ça, j'ai fait la super bonne soupe. C'était vraiment très bon. Et là, je suis rendue, il est 5 h et quelques, là, on mange des restes. Il reste encore plein d'affaires. Du surgelé et tout et tout. Les enfants mangent qu'est-ce qu'ils veulent. Oscar a tellement mal à la gorge qu'il mange à peine. Puis les autres, ben, ils vont manger des pogos. Tout ça, ça ne me dérange pas. Moi, je mange pas ce soir. Je ne soupe pas. J'ai vraiment bien mangé ce midi. Et là, je m'entraîne. Fait que je fais du glute avec ma squat belt. Machine que j'aime vraiment beaucoup. J'ai fait des affaires pour les bras, j'ai fait des step-up aussi, genre monter sur le banc, descendre, monter sur le banc. Puis j'ai fait comme des, je pense que ça s'appelle des good morning, je sais pas trop. En tout cas, j'ai fait ça, là je vais faire des squats. Sumo squat. Puis après ça, je vais faire ma demi-heure de cardio. Et je vais avoir entraîné un bon 50 minutes à peu près. Fait que je suis super contente. Ça va bien. Puis demain, ben c'est ça, ce soir, j'ai encore un appel. J'ai invité une amie ambassadrice dans une autre organisation qui est experte en collecte de fonds. En collecte de fonds, puis en campagne de financement. Fait que, tu sais, moi, je suis toujours ouverte. Tu sais, mettons que, je sais pas, moi, tes enfants font des sports, puis là, vous savez pas, tu fais partie du comité. Viens me voir, ça vaut vraiment la peine. Les collectes de fonds avec Épicure, c'est simple. Un bon montant qui était versé. Ça va vite. Fait que c'est vraiment le fun, là. C'est intéressant, puis ça fait changement aussi. Fait que si jamais vous voulez, si jamais ça tente d'avoir des informations sur ça, les collectes de fonds, ou même, ça peut être des affaires personnelles aussi, là. Ça peut être comme on ramasse l'argent pour un enfant qui est malade, des organismes à but non lucratif aussi, des maladies. Puis ça peut être, comme je te dis, du financement pour le sport, etc., etc. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors, moi, je suis vraiment, vraiment ouverte à faire ça. Je trouve que c'est une super belle opportunité pour tout le monde, découvrir les produits, changer un peu du chocolat, du pain, puis des brosses à dents, genre. Bref, en tout cas, tu m'écriras si jamais ça te tente, puis que je t'en parle plus. Je vais en savoir encore plus ce soir. J'ai vraiment hâte. Je trouve ça super intéressant de pouvoir inviter d'autres filles dans mon organisation, puis qu'ils puissent parler de leur expertise, eux autres, c'est quoi leur force. Puis Caro, ben elle, c'est ça sa force, puis elle n'est pas dans mon organisation, elle n'est pas dans mon équipe non plus. Mais je la connais, puis tu sais, je la trouve super fine, puis c'est inspirant, puis ça va inspirer les autres aussi. Fait que c'est ça que j'aime avec Épicure, je trouve ça merveilleux pour ça. Donc voilà, je m'entraîne, puis on s'en reparlait un petit peu plus tard. On va m'occuper de mon petit Oscar à soir, il a besoin de sa mère quand il est malade, lui, c'est comme, faudrait que j'arrête tout. Faudrait que j'arrête tout, puis que je m'occupe juste de lui, que je le flatte, puis que je donne des becs. Beau minou, en tout cas, je l'installe à côté de moi, puis je le flatte de temps en temps, mais c'est ça. Hein, faut bien que je fasse d'autres choses aussi. Fait que c'est ça. On se parle plus tard. Bon matin. Oscar est encore là ce matin, donc c'est ça que j'ai. Hier, je l'avais dit, le streptocoque, il faut qu'on aille à la pharmacie. Je pensais qu'elle allait recommencer les antibiotiques. Finalement, la pharmacie ne prescrit pas d'antibiotiques vu qu'il y a encore la scarlatine. Scarlatine? Il y a encore la scarlatine? Ouais, fait que là, il a envoyé un fax au médecin de famille. Là, j'ai appelé, je vais avoir un rendez-vous demain au cas où que Doc, elle veut le voir. Mais sinon, normalement, tu sais, elle pourrait comme juste envoyer un fax pour une prescription, pas s'ostiner, je pense. Vu qu'il vient juste l'avoir. D'après moi, c'est ce qu'elle va faire, là. Je la connais bien, là, quand même. Ça fait longtemps qu'elle me suit. Ça fait 20 ans qu'elle me suit. Fait que, tu sais, c'est ça, d'après moi, elle va l'envoyer, mais ça se peut qu'elle veuille le voir aussi. Fait que je sais pas trop. Hey, t'as pas mis ta bouche là-dessus, là? Mais non, Oscar, t'es malade. Enlève-la de là, ce que t'as mis dans ta bouche, là. Tu peux pas. Fait que là, ce matin, j'ai décidé de faire une expérience culinaire.
j'ai envie de trouver des nouvelles façons de fonctionner, de faire des choses originales avec la nouvelle saison. Puis là, on a une nouvelle... Des bobos aussi. On a une nouvelle petite dame. Je me suis dit, je vais faire des perles de thé avec. C'est ça que je fais. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté de l'agar-agar. Ça prend de l'huile, de l'agar-agar, puis le liquide. Donc, ça peut faire avec du jus. Mais là, c'est ça que je fais avec Oscar ce matin. On fait des expériences culinaires. Est-ce qu'on pourrait les manger? Oui. Je vais juste me réveiller. Les manger, c'est ça. J'ai fait bouillir 200 ml de mon nouveau thé. J'ai mis une cuillère à soupe de... oui, c'est beau. Hein? Une cuillère à soupe de sucre de canne. J'ai mis 4 g d'agar-agar. Et là, dans mon huile que j'avais mis au congélateur, je verse les perles. Et ça fonctionne. Check ça. Ils savent pas que je l'aide pas. Pourquoi? C'est beau, oui? Ouais. Je peux-tu arrêter? C'est quand même doux dehors. J'avais gardé Philibert et Oscar l'après-midi. Oscar va quand même très bien, là. On va pouvoir retourner à l'école très bientôt. Donc là, ben, on est venu dehors prendre l'air un petit peu. Ça va faire du bien. On joue au ballon, on fait du vélo. Moi, ben, je vais venir travailler dehors un petit peu. Les surveiller, ils sont contents. Rendu ici, quelque chose. La journée va vite. J'ai pas arrêté. Je suis allée dormir un peu avec les gars, vraiment pas longtemps. J'ai été sur un dossier toute la journée. Ensuite de ça, on a mangé des wraps. À midi, j'avais fait un poulet. Je vais faire un petit résumé, puis après ça, je commence mes abdos. Je travaille mes abdos. J'ai fait un poulet dans l'étuveuse au micro-ondes, puis j'ai utilisé le nouveau sachet poulet à la portugaise. Il est vraiment piquant. Tu sais, c'est le fun parce que le poulet, dans le fond, t'as juste la croûte, tu l'enlèves, c'est correct. Tu sais, il n'est pas piquant à l'intérieur. Tu sais, le poulet goûte super bon, mais la croûte, là, la peau, c'est piquant. Fait que c'est un peu moins kid-friendly pour ça, mais tu sais, le poulet, en général, il est super bon, si tu ne manges pas la peau, là, ça donne un bon goût. On a mangé des wraps avec ça. Dans le fond, j'ai fait mes tortillas, un peu de fromage... que j'ai fait fondre, ensuite de ça, sauce ranch, poulet salade tomate. C'est ça qu'on a mangé pour souper. On a couché les enfants tôt. Oscar est encore malade. J'ai pas de nouvelles pour le docteur. Fait que demain soir, 4h, je vais aller voir le docteur par rapport à ça. Il a pas refait de température, puis mais il a encore mal à la gorge, c'est sûr. Il a encore la gorge rouge. Fait qu'on va aller checker. Ouh! On va aller checker ça demain. Fait que là, je suis rendue à faire des abs, puis je vais pas au gym parce que je l'ai fait à terre, puis je trouve qu'au gym, c'est pas vraiment la place pour faire ça. Fait que je l'ai fait chez nous. Puis c'est quand même un chose. Je vais sur YouTube pour faire des abdos hypopressifs qui appellent. Donc, c'est vraiment pour faire la gaine et non pour avoir des abdos, là, tu sais, parce que t'as comme hyperpressif. Dans le fond, c'est comme... faire des abdos avec des crunchs, tout ça, les crunchs, tout ça, c'est ça pousse ton ab en dehors. Fait que ça vient pas affiner ta taille. Fait que là, moi, c'est vraiment des abdos de gainage, donc les obliques, les transverses qui vont venir raffermir tout ça pour resserrer. Et là, ça diminue ton tour de taille. C'est vraiment, en tout cas. Fait que moi, je fais le training de Caroline Rau. Je l'avais dit, je pense. Caroline avec un K. .ro sur YouTube. Puis il y a le plein de training gratuit. Puis moi, j'aime vraiment. Je trouve vraiment qu'est sa couche. Fait que c'est ça, je fais ça, puis après ça, ben, j'ai un petit montage à faire, puis ça va être tout pour ma journée. Demain, j'ai vraiment rien prévu, à part le rendez-vous à 4h pour Oscar. Bon matin! Donc, ce matin, je suis déjà partie. Il est 8h30, fait que je m'en vais, j'ai des commissions. Genre, m'envoie tout le temps des affaires de bouffe. Des idées de recettes, il est drôle.
Fait que là, avant, m'a envoyé genre un pain nuage. J'avais déjà vu ça, là, je sais c'est quoi. J'ai jamais essayé. Fait que ça, je m'en vais, puis là, je vais acheter des. Faut que j'aille acheter des pantalons de printemps aux enfants, là, parce que c'est comme le printemps, là. Oscar est allé à l'école ce matin. Il voulait y aller absolument. Puis, il est allé en soute pour petit cœur. Fait que là, c'est comme entre deux, là, vraiment. C'est ça. J'ai pas de pantalon d'habit de printemps, fait que c'est ça que je vais acheter, là. Premier arrêt. J'allais faire une livraison à une nouvelle cliente. Et là, je vais chez Eugène Allard. Je suis contente. C'est ouvert. Je pensais pas que c'était ouvert. Il est 8h50. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir d'aller chez Eugène Allard. Vraiment, trop des belles choses. Je me suis retenue. J'ai acheté les cacos de Pâques des enfants. Tu sais, dans le fond, il y avait des cônes de bonbons pour la fibrose cystique, dans le fond. C'était 6$, comme ça ici. Je m'ai pris plein de ça. Puis je me suis dit, ben, ça allait être ça leur cadeau de Pâques. J'en ai acheté 6 pour les enfants. Tant qu'à acheter des cochonneries au Dollarama, je vais y aller pareil, là. Mais je me suis dit, j'encourage une cause, la fibrose kystique, puis c'est des beaux bonbons. Fait que c'est ça que j'ai acheté 2 paquets. J'ai acheté des petits. J'ai acheté ceux-là, ils sont trop bons. Puis j'en ai acheté aux fraises aussi. C'est mes préférés, c'est les frappés à la fraise et à la banane. Fait que là, je m'en vais chez Mochuck. Je vais aller acheter des habits de printemps aux enfants. Fait que je suis allée chez Mochuck. J'ai aussi acheté mon robinet pour mon nouveau comptoir. Là, il a l'air beige, là, mais il est blanc. J'espère. C'est laid, Benjamin. Tu vois-tu ça? Non, c'est chrome blanc. C'est bon. Fait que ça, je vais aller porter la fiche technique pour chez Granit Moreau, eux qui font mon comptoir. Je te montre vite ce que j'ai acheté. Je suis capotée. D'ailleurs, j'étais là partie pour acheter juste des choses. J'ai acheté deux des pantalons, genre de bottes pour les gars. Les manteaux, j'en ai quand même pas mal. Je me suis dit, on va mettre leur manteau avec un chandail chauffé. J'ai acheté genre 6 paires de gants. Ça, c'est des petits gants magiques. Là. C'est comme à l'infini, comme besoin. Puis là, je suis tombée sur ça. Genre, quand j'ai vu ça, j'ai vu Oscar tout de suite dedans. Avec trop mignonne petite chemise avec des la crème glacée avec un petit gilet rouge en dessous. Tellement cute! Fait que là, j'avais pas le choix d'acheter un gilet à Marcus. Fait que j'ai acheté ce chandail-là. Trop cute. Puis, j'ai acheté celui-là à Poutounette. Monsieur, trop mignon! Fait que voilà, j'espère que ça va faire tout le monde. Sinon, ben, tant pis. Mais ça, c'est ça, j'en ai acheté une paire à Marcus et une paire à Oscar. Philippe, il y en avait déjà. Voilà. Il est 2h45. J'ai décidé que j'allais partir un peu plus tôt. Je vais aller chercher Oscar. Je vais aller tanker l'auto. Il faut que j'aille aussi porter une livraison dans le village. Et ensuite de ça, je vais aller à la friperie avant d'aller chercher Oscar à l'école pour s'en aller à son rendez-vous. Ça a été un midi difficile. Vraiment difficile. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air. Là. C'est électromagnétique. Là, mais Philibert se battait à gros coups de poing. Pas ce qu'il y avait là, en tout cas. Fait que je l'ai pogné, je l'ai serré fort dans mes bras en disant que je l'aimais fort, en tout cas. Mais c'était pas facile pour vrai, là. Sérieux, ça a vraiment été un midi difficile. Tout le monde se chicanait, tout le monde était pas fin. Ça, c'est tout le temps quand que ça arrive, Pâques arrive, là, puis là, j'ai plus le goût de leur donner leur surprise de Pâques parce qu'ils sont trop pas fins, genre. Vraiment choquant. Mais j'ai fait un super bon dîner. En live, j'ai fait du spaghetti chinois. Il était écœurant. Il était vraiment bon. Sérieux, je capotais. Il en a resté full. Fait que c'était vraiment, vraiment bon. Je l'ai fait avec le sachet. Feuille de laitue garnie. Puis j'ai ajouté à ça une bonne grosse cuillère de gelée de piment rouge. C'était débile. Fait que c'est ça. Je m'en vais faire mes petites affaires. Puis probablement que je m'entraînerai pas ce soir. J'ai encore un appel. Puis, c'est ça. On est allé chez le docteur avec Oscar et Philly. Je suis allée chercher. Philly m'a vu, mais c'est bien qu'à l'école. Il a voulu embarquer, il a voulu repartir avec maman. Oh, je fait qu'on est allé chez le doc. Et c'est ça. On m'a prescrit des antibiotiques pour Oscar. Et aussi pour la famille. Faut pas que j'aie besoin de revenir d'un coup pour toute la famille là. J'ai comme une demande collective. Ah, pitié de moi!
Mado, elle me connaît, ça fait longtemps. Je disais ça, c'est que je savais que j'allais probablement faire ça. Je l'apprécie énormément, parce qu'on sait comment ça peut être vite attrapé quand il y en a un qui l'a, en tout cas. À suivre. Fait que là, on est chez Walmart, on est venu faire des petites commissions. Puis, on va retourner dans l'inventaire. Bon matin, bon vendredi matin. Aujourd'hui, j'arrive d'un live sur TikTok. On a cuisiné! En tout cas, elle fait du rap. Matin. Poulet effiloché, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Dans mijoteuse ici. J'ai cuisiné aussi le dessert, le gâteau au chocolat et pudding que je voulais faire cette semaine. Il est au four. C'est vraiment pas compliqué à faire pour vrai. J'ai rajouté des protéines dedans. J'ai vraiment hâte du goûter. Et que ça cuit, ça part là. J'ai mis pépites de chocolat caramel aussi. Et là, Oscar nous fait du rap en live. Et je vais me ramasser un peu là, par rapport à ça. Il me reste ma vaisselle qui traîne depuis plusieurs temps. Hein? Je t'en ai. Je vais faire un petit ménage, là, le salon et tout. Fait que voilà, Marcus est un ami. Marcus, il y a le petit-fils de ma voisine qui est là. C'est le fun. Fait que il est avec lui, je dors. Depuis genre tout à l'heure. C'est ça. Philippe, il y a une nouvelle passion. Sa nouvelle passion de dino. Hein? Montes-tu tes dinosaures? Oups. Maman, attends. Ouais, vas-y. Remonte tes culottes, c'est pas beau. J'ai peur d'être malade. J'ai besoin de te dire. On dirait que, hein? Ah, j'ai peur. Genre, en tout cas, j'ai. Oh, mon médecin m'a prêté, m'a donné un tout ce qu'il faut pour faire ma culture de gorge. J'ai genre, on a juste besoin d'aller porter ça au centre de prélèvement, soit à l'hôpital ou au centre. Fait que, tu sais, je me dis, en tout cas, elle m'a prescrit des antibiotiques pour toute la famille si jamais on tombe malade. Fait que c'est ça, donc. Aujourd'hui, j'étais supposée aller dîner avec ma directrice, Josiane, ma belle amie, mais finalement, ça ne donnera pas. Jeannette est partie avec l'auto. Puis, c'est ça. Fait que je vais rester à la maison. Je vais travailler sur plein de choses. Puis, c'est tout. Faudrait que je commence mes impôts. Tu sais, la tâche qu'on repousse tout le temps, là. Oups! Ah, oh, c'est bien dulce! Fait que finalement, je m'en vais dîner avec Josiane. Je pensais que j'allais pas y aller, mais finalement, je vais. Fait que je suis contente. Ça va me permettre justement de me donner. En fait, j'ai demandé d'avoir du coaching pour comment aider les leaders à. Voyons. Comment aider les filles à devenir leaders. Je sais un peu comment faire, mais j'avais besoin de me faire. Renforcer à travers tout ça. Fait que c'est ça. Hey. La journée passe vite. Les enfants avaient des amis. Bon, je suis allée dîner avec Josiane. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est je suis allée dîner avec Josiane. Puis, mon Dieu, mes yeux étaient comme. Hein? On dirait que je viens d'aller manger. Hi. Hein, Twilight, tu comprends ce que je veux? Je viens d'aller manger. Ouais, fait que c'est ça, je suis allée dîner avec Josiane. C'était un dîner mouvementé. Mais pas à cause des piqûres ou rien. J'ai comme eu des nouvelles spéciales pendant ce dîner-là. C'était vraiment bizarre. En tout cas, bref, tout est bien qui finit bien. Presque. Mais bon. Puis là, bon, on est au gym. Puis aujourd'hui, j'ai magasiné aussi notre voyage à Orlando qui est dans un mois. Genre. Mais Airbnb et un peu notre itinéraire dans ce qu'on va faire. Fait que là, je suis au gym. Je vais faire des fesses, comme toujours. Et c'est ça, je fais un circuit de 3. Et après ça, je vais faire mon 30 minutes de cardio. Non, c'est pas à toi, ça. Lui? Non. Lui? Oui.
Oui, ça marche. Non. Oui. Non. Oui. Oui. Oui, il est à moi. Oui. Un gros. Tu peux manger tout de suite? On ne peinture pas tout de suite. On va faire ça plus tard. Est-ce que je peux juste toucher aux œufs? Vous pouvez les regarder avec vos yeux. Je peux-tu y toucher? Tu peux les toucher. Confidence dans le lit, on est dimanche. Bon matin, bon dimanche de Pâques. Donc les garçons ont pris leur petite surprise de cette armée, ça mange des bonbons puis du chocolat. Hier, je me suis donné un coup de balai. Ça allait, ça a fait un bobo. Puis j'ai pas filmé hier. Ben non, j'ai pas filmé hier. Toutes sortes de raisons, là, ça me tentait pas. Des fois, ça m'arrive. Là. Ça me tente pas de me voir la face. Ouais, Oscar, il aime beaucoup sa petite chemise. Hein? Là, il s'est pris un popsicle. J'ai fait des popsicles hier de smoothie. On va te montrer. Il est sur le thème, là. Va t'asseoir, mon cœur. Ah, bon. Okay. C'est très bon. Oui, mais on mange pas dans la chambre à maman, tu sais. Alors, aie confiance en toi et garde une assurance. Allez, on y va. Oh, j'ai un petit bisou à moi, ça. T'es-tu contente de ton petit chandail, toi, avec des camions dessus? Tika, ça toujours après moi. Oh, on est allé hier, on est allé souper au restaurant. Je vais te reparler de ça. Et on est allé voir un show d'humour, on est allé voir Dominique Paquette. C'était tellement bon, là. On a vraiment beaucoup ri. On a vraiment, vraiment ri. C'était vraiment, vraiment drôle. Ouais, je le recommande fois mille, genre, c'était maman, vraiment bon. Je m'attends pas de secret. Poup! Regarde, je vais vous le faire. Poup! Voilà. Un glacé. Elle est belle ta chemise, hein? Quand maman l'a vue, là, elle a pensé à toi tout de suite. Donc, c'est Pâques aujourd'hui? Moi, j'ai rien prévu. Ben non. J'ai l'air de travail aujourd'hui. Fait d'ouvert. Puis, on a fini le travail à 3 heures. Fait que là, ce que je vais faire, probablement, les gars vont se lever tranquillement, pas vite, là. Je vais faire un déjeuner spécial, mais ça va être plus le souper, je pense, qu'on va faire le spécial, parce que papa, j'aime pas papa. Un souper spécial. Ouais. Car... Ce soir, qu'est-ce qu'on pourrait manger de spécial? Non, regarde. Mais des soucis. Des soucis. Des soucis. On va manger des soucis. On verra. Donc, c'est ça. On va se lever tranquillement, pas vite. C'est dimanche. Maman va essayer d'être en congé aujourd'hui. C'est pas facile pour maman de pas faire de... L'école. Non, après demain. Ma tu m'as vu là, avec les dernières là? Non, t'es pas vu. J'ai pris de l'eau aussi. T'as fait faire des niaiseries ou quoi? Oui. J'ai pas fait de dégâts. C'est ça. Je te souhaite une belle journée. Merci. On s'en parle plus tard. Ok, le bisou. Je vais avoir été dehors. Bon, ben aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai fait? J'ai cuisiné. J'ai cuisiné en live sur TikTok. Puis encore une fois, c'est pour ça que j'haïs ça. Allez. En live sur TikTok, il y en a tout le temps un. Le stifique bizarre qui est là pour dire la marde. Fait que c'est sûr, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai pas laissé l'occasion de m'en dire trop longtemps. Mais je m'en fous, ça. Si c'est juste ça, ça me dérange pas pantoute. Fait que là, après ça, j'ai cuisiné des baluchons de. Des bons petits baluchons de trempette épinard avec la nouvelle trempette épinard épicure. C'était tellement bon. Pour vrai, avec la pâte à croissant.
pâte à croissant Pillsbury. C'est jamais cher, c'est tout le temps fun pour ça. Après ça, j'ai fait aussi mes truffes gâteaux aux carottes avec un rodage de gâteau fromage, de chocolat blanc, puis j'ai mis un petit peu de noix dessus. C'est bon. C'est vraiment bon, super sucré. Et j'ai fait ça. Maman a venue porter des petites surprises aux enfants. Bonne voir, ton avion. Oh, wow, un bel avion. Fait que là, ben, c'est ça. Jonathan est revenu travailler. J'ai pas fait un souper encore. Faudrait bien, 5 heures. On dirait que j'ai goût de manger des croquettes. C'est pas dur à faire. Autant que je peux cuisiner, autant que ça. Que là, là, ça me. Je sais pas qu'est-ce que ça me tente de manger. Là. Je vais avoir été dehors, ça va pas si pire froid. Oui. Pourquoi? Et papa, il est où le garage? Salut, papa! Là, j'aurais eu. Là, ça serait comme une genre de journée que j'aurais pris une petite coupe de vin dehors. Mais, mais j'en ai du vin sans alcool, je pourrais me le faire refroidir si je veux. Si je veux. C'est ça l'affaire. Et j'aurais vraiment le goût de prendre du vin. Là. De ce temps-ci, ça me travaille vraiment beaucoup. Ouais. J'ai pas le goût d'en prendre, genre, je sais. J'ai le goût d'en prendre, mais je veux pas en prendre. C'est dans le sens que... Je sais tout le mauvais que ça m'apporte et tout, là, tu sais. Je suis pas capable de m'arrêter en un ou deux verres, t'sais. C'est ça, je passe la bouteille au complet. Tu sais, je veux pas faire ça, là. C'est fini. Mais c'est vrai que là, tu sais, ça. Ça, ça, ça me. Ça, ça, j'y pense plus un peu. J'y pense plus. Mais, je pense plus comme genre. Oh, dans des situations. Genre, on va passer. Ça va passer. Mais puis là, je sais, on s'en va en voyage bientôt. On s'en va sur le bateau. Puis là, tu sais, les filles. Regarde les fruits. Oui, les filles sur. Les groupes de bateaux, tu sais, sont comme « Ah, on se prend un shooter de tequila, on se prend des shooters, on se prend des... » Je suis comme « prends un shot d'eau! » Mais en tout cas, tu sais, c'est juste une question de pas trop y passer longtemps. Mais tu sais, c'est ça. T'sais, des fois, on dirait que le petit feeling, tu sais, t'as l'accent, tu sais, c'est ça. Tu sais qu'on mange, hein? Tu vas-tu nous donner une idée? Parce qu'en mettant un manteau, il fait quand même froid. Hein? Je sais pas, là. Je n'en ai aucune idée. Mais on peut manger la soupe? Attends, je la... Parce qu'elle va... Il dit des soucis. Soucis. Mais attends, manteau, il fait froid. Moi, je suis gelée. Moi, je suis même pas gelée. Ouais. Il y a de la laine. Ouais, c'est pas si ça. En tout cas, fait que. Des ça parce qu'on va manger. Des bonnes croquettes avec des frites. Jana, tu dis oui. Merci, mon chéri. En tout cas, je regarde ça. Je peux te montrer mes belles petites bouchées de gâteau aux carottes. Et ça, j'en ai ici qui sont. Qui ont, j'ai manqué de. J'ai manqué de chocolat blanc. J'ai mangé. Cette semaine, quand je suis allée dîner avec ma chum, Josiane, j'ai mangé une thaï, là. Une bonne salade thaï. C'était bon. Mais bon, je pourrais faire comme un genre de General Tao avec des croquettes. Genre. Oui. Hein? Oui. Salut. J'ai même pas filmé aujourd'hui. Et non, ça n'a pas donné. Des fois, je m'autorise, là, tu sais, à pas filmer tout le temps. J'ai pas fait grand-chose. Mon Dieu, j'ai fait des formations sur
mon ordi beaucoup. Et que j'ai été. Hier, j'ai commencé une cohorte. Ouais, j'ai commencé à travailler avec 8 belles personnes pour les aider à avancer, à cheminer. Pas nécessairement en rang, là, tu sais, nécessairement, mais qui progressent, tu sais, vers un objectif clair pour eux autres. Fait que j'ai mis ça en place parce que c'est toutes des filles avec qui j'ai envie de travailler, qui ont un beau potentiel, qui sont inspirantes, etc., etc. Fait que c'est ça. J'ai commencé ça hier. J'espère que mon contenu va être... va donner beaucoup de valeur à leur façon de travailler. Je sais pas. On verra. Et sinon, ben c'est ça. Je voulais m'entraîner. On voulait aller s'entraîner au gym, mais Ophélie est partie chercher Enzo et Elliot. Fait qu'il n'y avait personne pour garder. Donc, ça fait que je suis ici à m'entraîner à la maison. Puis, je vais faire des abdos. Parce que la dernière fois au gym, j'ai fait des fesses. Fait que là, je serais rendue à faire des abdos. Puis, comme je fais des abdos de gainage, vraiment des exercices de renforcement de la gaine, et non pour pousser mes abdos à l'extérieur. Donc, je vais faire ça sur mon tapis ici, à la maison. Parce que je n'utilise pas de machine pour ça. Puis après ça, ben, je vais faire mon cardio. Fait qu'il est 7h40 environ. Demain, ils viennent pour mon comptoir. J'ai vraiment, vraiment hâte. J'ai hâte de voir sérieux de quoi ça va avoir de l'air. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Fait que ça sera pas... tu sais, mais qui retire mon comptoir, genre... Je suis comme stressée que ça arrache. Je suis stressée que ça arrache, hein. En tout cas. Fait que c'est parti. On est parti pour une petite heure d'entraînement. Non, plus que ça, parce que dans le fond, c'est 40 minutes les abdos. Puis à peu près, je fais ma demi-heure de cardio après. Qu'on se reparle demain. Marcus dîne à l'école, essaie de pas l'oublier. J'ai pas grand chose, là. Il va vraiment falloir que j'aille faire mon épicerie. Début de la semaine, j'ai rien fait. Ils ont pas beaucoup de collations, pour vrai. Ça fait pitié, mon affaire. Ça arrive. C'est pas grave. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, dans le fond. Fait que là-dessus, ben, je vais te dire un beau bonne nuit, une belle soirée, une belle journée. On a rien foutu du week-end de Pâques. Genre, j'ai rien crissé, là, pour eux autres. Pour petit. Ouais, c'est ça. Mais je suis de même. Hein. C'est comme, des fois, ça me tente, des fois, ça me tente pas. Quand ça me tente pas, ça me tente pas d'hésiter, hein? Mais c'est pas grave, c'est pas grave, hein? On se reprendra l'an prochain. Il y en aura une autre fête pour fêter du chocolat et des bonbons. Hein? Sérieux, moi, c'est ça qui me décourage un peu, on dirait. Tu sais, ça vient d'être la Saint-Valentin. Faut fêter à Saint-Valentin avec les enfants. Là, c'était Pâques. Ça finit pas de finir. Là, c'est la fête à Marcus. Je m'en vais dans un mois au Bahamas. J'ai pas trouvé encore mon Airbnb. Je sais pas ce qu'on va faire rendu là-bas. Là, je suis comme toute mélangée. Ça me stresse. Fait que... c'est ça. Je commence à stresser pour ça. Faut que je réserve. Puis... ouais. On a plein d'affaires à payer. Là, l'argent, ça, on a eu beaucoup de dépenses, puis on a encore là, à venir, vraiment, tu sais. Puis on dirait que l'argent rentre pas comme je voudrais qu'il rentre. You know? Fait que, c'est ça. Je vais te dire un beau belle soirée, belle journée, belle nuit. Tout va se placer. On envoie ça dans l'univers, gang. Tout va se placer, ça va être la fun. Bye!